Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Comme vous êtes nombreux à me demander de mettre le lien de téléchargement de la dernière version de WhatsApp Fouad, je viens de mettre le lien sur mon site. Et le lien sera dans la description de la vidéo. Aussi, vous pouvez tout simplement aller sur Google et vous chercher FacilTech 1. Voyez-vous, cherchez FacilTech1.com et vous faites chercher. Vous serez envoyé ici et vous allez en haut à droite là, sur les trois barres. Une fois ici, vous allez sur WhatsApp. Donc, une fois ici, vous défilez en bas et vous cherchez WhatsApp Fouad. Vous voyez, WhatsApp Fouad. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, si j'ai le temps, je mets ça ici. D'accord? Donc, vous venez ici tout simplement. Vous cliquez sur l'image. Une fois que vous cliquez sur l'image, vous allez en bas et vous aurez deux liens. Vous voyez, ça c'est le premier lien et ça c'est le deuxième lien. Donc si vous allez par exemple sur le premier lien, vous pouvez appuyer sur télécharger et après vous l'installez dans votre téléphone. Si le premier lien ne marche pas, vous allez sur le deuxième lien. Il peut arriver que chez certaines personnes, ce soit un peu compliqué pour télécharger l'application. Si vous allez par exemple là, sur le premier lien, et que vous faites télécharger, vous voyez, ça va d'abord télécharger ici. Et après, ça vient enregistrer le fichier. Vous voyez, enregistrer le fichier. Donc, chez certaines personnes, ça va fonctionner. Quand vous appuyez là, ça va s'enregistrer. Et vous pouvez installer l'application. Mais chez certaines personnes, quand ils appuient là, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Ils appuient, mais ça ne fonctionne pas. Donc, si chez vous, par exemple, bon, je vais vous montrer, par exemple, chez moi, si j'appuie là, vous voyez que ça fonctionne. On me demande si je veux télécharger. Donc, je peux appuyer là pour télécharger. Vous voyez, ça a téléchargé. Je peux faire ouvrir et puis installer. D'accord? Mais chez certaines personnes, quand ils appuient, enregistrer le fichier, ce bouton ne fonctionne pas, d'accord? Donc si chez vous c'est comme ça, si ça fonctionne pas, je le fais arrière. Ok, si ça fonctionne pas, vous recommencez, vous revenez ici encore, vous cliquez et vous voyez, au lieu de faire télécharger, vous allez faire ouvrir avec l'application Mega, d'accord? Donc, si vous faites ouvrir avec l'application Mega, ça va vous envoyer automatiquement sur Play Store pour télécharger l'application Mega. Ou si vous voulez, vous pouvez sortir d'abord. Vous allez sur Play Store et vous cherchez Mega. D'accord? Une fois que vous installez Mega, vous faites ouvrir. Quand vous faites ouvrir, ça va d'abord venir là. Quand vous faites ouvrir, ça va venir là et vous faites créer un compte. D'accord, ça c'est une capture d'écran que j'ai fait juste pour vous expliquer. Après avoir fait créer un compte, ça viendrait ici maintenant. Vous voyez, nom, vous mettez votre nom, n'importe quel nom, n'importe quel prénom, vous mettez votre adresse email, vous mettez un mot de passe, vous confirmez votre mot de passe juste pour créer le compte. D'accord, et après ils vont vous envoyer un email sur l'adresse que vous avez mis et vous allez maintenant confirmer le compte dans votre email. Vous allez sur Gmail, d'accord, et vous confirmez le compte. Une fois que vous finissez de créer votre compte Mega et vous confirmez votre compte, vous serez dans l'application Mega. Vous pourrez aller dans votre application Mega et après vous pouvez ressortir. Là je suis dans l'application Mega, vous voyez tout ça, là je suis dans l'application Mega. Vous pouvez ressortir et vous retournez où on voulait télécharger WhatsApp Fouad et que ça ne fonctionnait pas. Et maintenant, une fois ici, au lieu de faire télécharger, vous faites seulement ouvrir avec l'application Mega. Donc, vous serez renvoyé dans l'application Mega. Là, je suis retourné dans l'application Mega. Et ici, vous allez en bas et vous faites enregistrer sur l'appareil. Vous voyez, là, ça télécharge. Cette fois-ci, ça va fonctionner. Le téléchargement est terminé. Vous voyez, une fois que ça a fini, vous allez en haut et vous tirez votre barre de notification. Vous allez là, vous tirez vers le bas. Et ici, vous verrez, un fichier a été téléchargé. Vous pouvez appuyer ici directement pour installer
WhatsApp ou vous ressortez, vous allez ici. Au cas où vous ne trouvez pas, vous ne trouvez pas l'application ici, le téléchargement ici, vous pouvez ressortir et aller dans l'application Mes fichiers. Vous allez dans Mes fichiers et une fois ici, vous pouvez aller sur Téléchargement et ici, vous verrez Méga Download. Voyez WhatsApp Forward et vous pouvez appuyer là pour installer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Bye bye.